de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aujourd'hui vous proposer donc cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons essayer de comprendre à travers cette vidéo comment tout simplement s'imposer un rythme et une discipline dans la foi. C'est important parce que si vous ne faites pas ça, la Bible nous dit que la chair, vos désirs vont prendre le dessus sur l'Esprit de Dieu, et Dieu ne pourra pas vous utiliser comme ça a été prévu dès la fondation du monde. Donc il faut, on va dire, avoir une certaine connaissance biblique et une certaine disposition de notre corps pour Dieu si nous voulons pouvoir annoncer l'Évangile, vivre dans une vie de sainteté. Voilà, et souvent, c'est quand on lâche cette discipline qu'on retombe dans le péché. Donc en fait, c'est une vidéo vraiment qui va vous donner beaucoup de détails, et je vais vous donner vraiment mon expérience également, qui m'a permis de me sortir de beaucoup de péchés, et ça permettra, je pense, pour beaucoup d'entre vous, de vous améliorer dans votre relation avec le Seigneur. Donc c'est la discipline, on va parler de ça aujourd'hui. La discipline, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en fait, on va regarder déjà premièrement la définition. Alors la discipline, c'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, donc par exemple le corps de Christ, d'une collectivité, obéissance à cette règle. Et c'est aussi donc une obéissance à cette règle. C'est également une règle de conduite que l'on s'impose. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que sans la discipline, dans tout ce que vous aurez entrepris dans votre vie, vous n'aurez eu que des échecs. La discipline dans le milieu sportif, dans le milieu de l'éducation, de l'école, par exemple, dans vos études, la discipline, bien sûr, dans la foi, la discipline dans votre travail, dans tout. Si la discipline n'est pas mise en place, vous allez parfois quand même réussir, mais ce sera beaucoup plus long et avec plus d'échecs. Parce que la discipline nous permet de tenir un chemin, de suivre et d'appliquer nos engagements. Parce que ça, c'est pareil, Dieu aime quand on tient ses engagements. Et en fait, c'est très important parce que ça va vous aider à maintenir le cap de la foi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, je ne vais pas dire salutaire, mais qui va vous aider en tout cas dans l'entreprise de la sanctification et de la repentance. On sait aussi que, on va parler donc de la discipline, mais aussi de la chair qui est reliée donc avec l'entretien de l'esprit. Et on va lire déjà un premier verset qui va nous montrer que déjà si l'esprit n'est pas entretenu par justement une bonne discipline, vous vous exposez à ce que votre chair prenne le dessus. C'est là toute la clé et tout l'enjeu de la foi, disposer notre esprit donc par une discipline afin de dominer notre chair. On va aller voir donc le premier passage, donc Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc là, l'esprit de Dieu nous conduit, mais si votre chair est trop entretenue, c'est-à-dire que si vous passez continuellement votre temps égoïstement, vous n'œuvrez pas pour le Seigneur, vous ne lisez pas votre Bible, vous ne louez pas, vous n'écoutez pas d'idoles d'enseignement, votre chair va prendre le dessus sur votre esprit et automatiquement, Dieu ne pourra pas vous utiliser dans le plan qu'il a prévu pour vous. Vous allez passer à côté de certaines choses également. Donc, il faut avoir une discipline impérativement afin que votre esprit soit que le Saint-Esprit puisse s'épanouir pleinement en vous et qu'il ne soit pas étouffé par justement vos désirs égoïstes et votre chair. Donc ça, c'est le premier point très très important. Ensuite, nous allons lire un autre passage qui montre également que la discipline est capitale dans notre salut, dans notre sanctification, dans notre repentance. C'est 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter.
Donc toujours avec un acharnement, avec une volonté de plaire à Dieu, avec une bonne disposition. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc là, on doit se battre pour l'espérance de la vie éternelle, sachant qu'il y a des gens sur cette terre qui s'imposent dans les disciplines sportives, par exemple l'haltérophilie, des choses comme ça, de pendant des années, tous les jours, une discipline incroyable pour arriver à leur objectif de devenir voilà, musclé ou de grands sportifs. Donc imaginons à quel point nous devons aussi nous battre contre le péché par exemple. Et la discipline, c'est ne pas non plus nous culpabiliser, ne pas nous baisser les bras, nous battre, être fort, être vaillant. C'est ce que la Bible nous dit, hein, le Seigneur nous demande d'être fort, d'être puissant, d'être vaillant, d'être violent avec nous-mêmes parfois, dans le sens où nous devons dire à notre chair si nous avons envie de faire quelque chose, par exemple, voilà, que nous faisons un peu trop régulièrement, non stop, aujourd'hui je ne ferai pas cette chose-là, parce que je ne suis pas attaché, j'ai plutôt passé un peu de temps avec le Seigneur. Donc vous voyez, et toujours dans le but de la vie éternelle. Mais donc, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, voilà, donc le fait de brider sa chair pour entretenir l'esprit, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est une discipline que Paul nous donne dans ce passage de façon très très claire, et ça montre que voilà, il faut se battre, il faut se faire violence avec nous-mêmes, il faut entretenir notre esprit afin de dompter notre chair et d'être victorieux. Un petit peu comme 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 nous dit de nous abstenir de toute espèce de mal, donc du péché, rejeter tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est très très important également. Voilà moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la discipline. C'est vraiment, comme je vous dis, chers frères et sœurs, c'est salutaire et c'est important. Je le dis à mes enfants, je le dis un petit peu partout autour de moi dès que j'en ai l'occasion. Si vous n'êtes pas dans la foi discipliné, comme dans toute autre chose dans votre vie, vous ne parviendrez pas à faire grand-chose. Hein, ça c'est voilà, la paresse, la flémardise, toutes ces choses là sont l'inverse de la discipline. La discipline doit être une quelque chose qui se met en place dans notre vie, la volonté, la bonne disposition, et comme Paul le dit, parce que si nous n'avons pas cette discipline et cette vie de foi, cette sanctification, nous allons être rejetés du Seigneur. Donc même si certains disent que oui, nous sommes sous la grâce, sauvés une bonne fois pour toutes, c'est faux, hein. Nous sommes sous la grâce, nous sommes sauvés. Mais si nous n'avons pas la discipline, par exemple, de nous abstenir du péché, il ne faut pas espérer. Hein. La Bible nous le dit très clair, dehors les voleurs, les enchanteurs, les magiciens, ceux qui rejettent la grâce, ceux qui continuent dans le péché. Hein. On a également les vierges folles qui montrent qu'il y a des gens qui ne veulent pas se préparer, qui aiment le Seigneur, qui sont, se disent chrétiens, mais qui ne veulent pas se préparer à suivre Christ dans l'abstenance du péché et dans la repentance, la sanctification. Donc il faut faire attention, et la discipline est le mot d'ordre dans notre vie et dans la vie de tout enfant de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est vraiment important la discipline pour aussi faire face au péché, hein, pour aussi faire face à l'entretien de l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre en fait, hein. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'arriverez pas à entretenir votre esprit, votre chair vous dominera, vous n'arriverez pas à vaincre le péché. Donc aujourd'hui ce que je vous donne, c'est vraiment une clé importante et puissante, parce que c'est vraiment fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu des chrétiens autour de moi avoir de la discipline que le dimanche matin et toute la semaine être dans le péché, parce qu'ils ne se mettent pas la discipline en semaine. Et la discipline en semaine, c'est savoir s'abstenir du péché, c'est savoir se faire violence avec la chair, savoir ouvrir sa Bible, savoir louer le Seigneur, savoir écouter un enseignement, comme je vous disais en début de vidéo. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous ne grandirez pas, vous ne marcherez pas selon l'esprit, la chair vous dominera et vous serez esclave de certains péchés. Donc c'est la clé et la règle numéro 1. Quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'étais esclave du tabac, je me suis mis une discipline de diminuer la quantité jusqu'à l'arrêt. J'avais dans la tête l'objectif d'arrêter. Je n'arrivais pas, j'étais bloqué à 2 ou 3 cigarettes par jour. Dieu m'a aidé, hein, et j'ai réussi à arrêter le tabac de manière définitive depuis aujourd'hui un peu plus de 4 ans. Donc, chers frères et sœurs, nous allons y arriver, soyons confiants vers la parole de Dieu, appliquons les règles de Dieu, appliquons la discipline dans notre vie, afin de aussi devenir de véritables disciples. Parce qu'en fait, la discipline descend de disciples de Christ. Hein. Donc nous sommes des disciples, nous devons être disciplinés. Voilà, si vous avez des questions complémentaires pour vous aider, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.